arrivée à l'école Antoine de Saint-Exupéry à Chicoutimi, au Saguenay. Ouf! Il y en avait des côtes ici! Hein, Julien? Jean! Julien? Attends! Marie! Oh, là! Oh! T'es morcelé ici, hein? Julien, qu'est-ce que tu fais avec la trottinette de Force 4? Ah, c'est tout ce que j'ai trouvé. Inquiète pas, là, tu vas pouvoir emprunter un bon vélo de montagne parce qu'ici, il y en a plein. Ah, mais tant mieux, là. On dirait qu'on va faire du vélo, par contre, j'aimerais ça me dégourdir les jambes un petit peu, là. Ah, ben, ça tombe bien. On s'en va justement faire la danse de Force 4. Ah, oui. Attends. Oui. Go. Attends, Julien. Attends, tu prends l'avance encore, là. Ah, oui, plus vite. Allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds. Allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique. Allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air. Allez. Hey, wow, Thomas, merci, hein? Il est vraiment, vraiment parfait, là. Ben, dernier, Julien, ça fait énormément plaisir. Oh, Julien, ça va bien? Ouais, toi? Oh, je pense que ton vélo, il est pas trop prêt à partir encore. Ah oui? Bon, ta selle est un peu basse. Okay. Ta grandeur, je pense que ça va être beaucoup plus de facilité pour toi. Ah, OK. Ben, merci, hein? Hey, vous, vous êtes pas des cyclistes 10 000 km? Ben oui, Julien, on parraine l'école d'Antoine Saint-Exupéry. Ah ouais? Ben oui! Ah, ah ben, j'aurais peut-être quelques conseils à vous demander là, pour devenir un vrai pro, là, parce que Thomas et moi, on en parlait, on aimerait vraiment ça faire le 1000 km. Ouais, merci, Julien. C'est un bel objectif, mais ce qui est important avant de partir en vélo, Julien et Thomas et tous tes amis, c'est le réchauffement avant la période de faire de vélo. Ça, c'est très, très important. OK, hey, Thomas, peux-tu me tenir ça une seconde? Ouais. Je reviens dans une petite minute, d'accord? Il me manque juste un petit quelque chose. Hey, excusez-moi, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Là. C'est juste que j'ai eu de la difficulté à l'ajuster, mais là, il est parfait.
Et ton casque n'était pas nécessaire pour l'échauffement, Julien, mais c'est correct. Ah, ben là, un casque, ça peut toujours être utile. Et donc, comme on disait, avant de partir sur la route, c'est important de se réchauffer. Bien sûr, Julien, parce que quand on fait du vélo, c'est les muscles des jambes qui sont les plus sollicités. Ah bon? Ben oui! Bon, ben ouais, dans ce cas-là, si c'est les jambes les plus sollicitées, notre réchauffement va vraiment se centrer sur les muscles des jambes. Alors, ce que je vais vous demander en premier de faire, c'est de vous mettre en position demi-squat et on va aller faire des sauts d'un côté et de l'autre. Donc, ça va être un saut sur la jambe droite, ici, et ensuite un saut sur la jambe gauche. Et on va faire ça plusieurs fois pendant 30 secondes. C'est bon, Julien, c'est bon pour l'équilibre, ça. Ah oui! Alors, je vous invite à le faire avec nous, parce que si on est pour faire de la route, il faut être prêt et prêt. Ça se passe très, très bien. Est-ce que vos jambes commencent à travailler? Oui! Super, Julien, ça, c'est bon pour l'équilibre. Parfait. Alors, on continue. Pousse. Et donc, pour 5 dernières secondes. Et c'est terminé. Alors, on va tout de suite aller faire un deuxième exercice qui va vraiment, vraiment aller travailler l'équilibre et encore une fois, l'explosion des jambes. Alors, tout premièrement, on va se mettre sur le bout des pieds, d'accord? On va aller prendre notre coude droit et on va aller le joindre à notre genou gauche. On va aller faire la même chose de l'autre côté et on va pouvoir faire ça pendant 30 secondes dans 3, 2, 1. Et on commence avec le bras droit. Et là, si vous trouvez ça difficile de le faire sur le bout de vos pieds, parce que vous ne trouvez pas votre équilibre, vous pouvez le faire aussi sur les talons. Et l'important, c'est de le faire aussi à son rythme. On ne voudrait pas se blesser. Ça se passe très, très bien. Super, Julien. Et donc, pour 5 secondes. Et c'est terminé. Donc, tout ça, c'est bien beau, hein? Mais quand on fait du vélo en groupe, il faut souvent avertir les gens qui sont derrière nous de nos prochaines actions. Alors, je me demandais, quand on tourne à droite, qu'est-ce qu'on fait pour avertir les autres? Tu prends ton bras droit, tu le mets en pleine extension pour indiquer qu'on veut faire un virage vers la droite. Parfait! Donc, on va tous prendre nos bras droits et on va les faire en pleine extension. Et on va profiter pour aller réchauffer l'épaule. Donc, on va les tourner vers l'intérieur comme ça. On va donner un petit 10 secondes d'un côté. Tout se passe très bien. Vraiment juste histoire là, de sentir que le muscle est chaud. Et on va faire de l'autre côté. Parfait. On continue. Et c'est terminé. Merci beaucoup, André. Et là, Betty, si on veut tourner vers la gauche, qu'est-ce qu'on fait? C'est facile, Julien. On met le bras vers la gauche. Puis on tourne. On met le bras à la gauche. Alors, on va faire la même chose. On met le bras à la gauche en pleine extension et on va aller travailler un peu l'épaule. On tourne vers l'intérieur. Parfait. Alors, des grands ou des petits cercles, hein? Tout dépendant de ce que vous préférez. C'est sûr que des petits cercles rapides, c'est ce qui travaille le plus. On va aller tourner vers l'extérieur. Parfait. Tout se passe très, très bien. Et c'est terminé. Et là, maintenant, on sait qu'est-ce qu'on fait quand on tourne à droite, qu'est-ce qu'on fait quand on tourne à gauche, mais des fois aussi, il faut s'arrêter. Et là, il faut avertir le peloton. Alors, quand on s'arrête, c'est quoi le signal? On peut mettre notre bras à la droite ou à la gauche. Un côté ou l'autre est toujours bon. C'est drôle, on dirait presque un coup de karaté. Alors, on va faire des coups de karaté pendant 20 secondes. Alors, on va commencer par la gauche. Très, très bien. Et là, c'est vraiment dans l'arrêt soudain qu'on va être capable de faire travailler les muscles des bras. Donc, la communication en vélo, c'est important. Je dirais même que c'est primordial, Julien. Primordial même. Et donc, on peut s'arrêter. Et là, j'ai comme l'impression qu'on est très bien réchauffé. Ça serait quoi la prochaine étape? La prochaine étape? Bien, la prochaine étape, Julien, je te sens confiant. Je pense que tu es prêt à nous mener maintenant. Tu es prêt à mener le peloton. Ah ouais? Je me sens prêt. Ah ouais, je suis prêt à mener un peloton. Bon, bien, parfait. Dans ce cas-là, on va enfourcher nos vélos. Alors, on est à vélo maintenant et on peut commencer à pédaler. Alors, c'est très, très simple. Hein? Là, on va y aller un peu plus lentement parce qu'il y a une côte. Hein? On se met en première vitesse. C'est une question d'endurance. Et
on peut recommencer à aller plus vite, hein? Une bonne vitesse de croisière. Et là, qu'est-ce que je vois en avant? Oh non! Des nids de poules! Ça veut dire qu'on saute à droite. On saute à gauche. On revient au centre. Oh, c'est bon. On les a évités. Sauf qu'à l'avant, qu'est-ce qu'il y a? Un nid de guêpe! On se baisse! On se baisse, on reste baissé parce que les guêpes sont toujours là. On continue à pédaler. On continue à pédaler. On peut revenir. Oh, OK. Oh non, pas encore un obstacle. Regardez là-bas, une famille de moufettes. On saute. Oh, on continue à pédaler. Puis là, oh non, on s'arrête. Ah, regardez, une météorite. T'exagères pas un peu, Julien? Oui, peut-être un peu. Mais en même temps, comme je disais, un casque, c'est toujours utile. J'avais raison. J'avais raison. Aujourd'hui, c'est le 5 juin et c'est la Journée internationale de l'environnement. Oui, et on s'est dit qu'une belle façon de contribuer à cette magnifique journée serait de ramasser les déchets de toute la cour. Oui, et en plus, ça nous fait bouger. Et là, on va voir qui va ramasser le plus de déchets. Mmh. OK, donc tout le monde est prêt? Oui! Donc dans 3, 2, 1, c'est parti! Savais-tu qu'une gomme ballon peut prendre jusqu'à 5 ans pour se décomposer? C'est fou, hein? Ça dure 5 minutes, puis ça prend autant d'années à disparaître. Mais c'est pas le pire. Un sac en plastique prend 450 ans pour se décomposer, et une bouteille en verre, 5000 ans! 5000 ans! C'est pour ça que c'est important de recycler. On sait tous que le recyclage, c'est de mettre le carton, le verre, le métal, le plastique dans le bac, mais c'est beaucoup plus que ça. Une fois que le camion ramasse le recyclage, ça s'en va dans un centre de tri, puis dans un centre de recyclage, et c'est là que la magie opère! Chupin! Mesdames et messieurs, je vais changer ce vulgaire pneu en brique! Mais avant, applaudissez-moi pour ne pas que je change d'idée! Avec du papier journal, on fabrique des boîtes d'œufs. Avec du carton, on enrichit le compost. Avec du papier, on fait des mouchoirs. Et avec du plastique, on fabrique des jouets. Le recyclage, c'est vraiment un geste important pour notre planète. Zip, zap, zip, zap, zoup! Alors, après un long trajet de vélo, hein, une des choses très importantes, c'est de s'étirer. Alors, on a pensé que c'était un bon moment pour faire un retour au calme. Oui, mais là, Julien, je pense que tu peux enlever ton casque de vélo. Non, non, c'est plus nécessaire. Non, Jen, on sait jamais. Ah, bon, OK. Bien, justement, on est dans une salle de psychomotricité et là, nous, on va faire les étirements au sol sur des tapis. Mais vous, vous pouvez le faire au sol sans tapis, il n'y a aucun problème. Absolument. Donc, on va commencer avec un premier exercice. Hein. On va détendre nos jambes, on va amener nos pieds en avant comme ça. Hein. Et on va prendre une grande respiration. Et sur l'expiration, on va aller toucher nos pieds. On va rester là quelques secondes. On va revenir. On va reprendre une inspiration. On expire. On revient, on reprend une inspiration, on expire, et on revient. Yes. On va pouvoir recroiser nos jambes. Oui. Et là, maintenant, on va mettre nos bras devant, on va joindre les mains comme cela, et là, on va aller vers le ciel et on va s'étirer très, très haut dans les airs. Et là, on va prendre une grande respiration. Et là, on va expirer en penchant notre corps vers l'avant, en arrondissant notre dos comme cela. Et on expire. On revient. On fait la même chose. On joint les mains. On étire vers le ciel. On prend une respiration. On revient. Encore une dernière fois. On va vers le haut. On étire. On respire. Et on expire. Excellent. Bravo. Alors, le dernier exercice. Donc, on va faire comme ça le papillon. Donc, on joint la plante de nos pieds et on a des ailes avec nos jambes. Encore trois grandes respirations.
et on peut recroiser nos jambes. On sent bien, bravo! Vous avez bien fait ça, oui! Je l'avais dit! Toujours utile! C'est déjà la fin de l'épisode, mais avant de vous laisser, on voulait vous lancer l'idée d'utiliser le plus souvent possible le transport actif, comme le vélo. Ben oui, parce qu'en plus de bouger, c'est bon pour l'environnement, donc ça nous permet de sauver la planète, à notre façon. Hey, Julien, t'es prêt? On retourne à la maison. Oui. Là, c'est à moi de prendre le vélo, par contre. Hein? Mais non, c'est à moi. Hey, Julien, regarde un éléphant! Hein? Oh non! Non, Jen! Mais non! Mais non! Bye! Mais non! Jen! Allez, Julien, cours! La course à pied aussi, c'est bon pour l'environnement.